Voilà, en principe, nous sommes en ligne maintenant. Je peux laisser à l'un des membres du public donc nous le confirmer sur le chat. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 16e rencontre 30 minutes pour demain que nous organisons quotidiennement. La plupart d'entre vous qui êtes déjà venus le savez sans doute que nous organisons quotidiennement ces jours-ci et depuis maintenant un peu plus de 2 semaines. Tout au long donc du confinement, des rencontres quotidiennes, à l'occasion desquelles on évoque systématiquement le futur des territoires, des villes et de leurs infrastructures sous des angles variés, qui peuvent quelquefois avoir trait à la crise sanitaire. Et le plus souvent, non. On continue d'ouvrir des portes et des fenêtres vers justement les différentes dimensions de ces futurs des villes et des territoires. Des angles variés, car ils sont à l'initiative donc de Léonard, d'une part, la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, dont je suis le directeur de la communication et responsable de la programmation, à l'initiative aussi d'autres résidents de notre lieu Léonard Paris, de notre lab, qui peuvent être la Fondation Vinci, qui accueille aujourd'hui la Fabrique de la Cité, dont la présidente Cécile Maisonneuve s'exprimait hier, ou encore du Lab Recherche Environnement Vinci Paris Tech, qui lui interviendra demain. Voilà. Aujourd'hui, donc, je le disais, c'est la Fondation Vinci qui invite. Elle a été cette fondation, c'est une fondation d'entreprise qui a été créée en 2002 et qui soutient des projets associatifs qui apportent des solutions en faveur précisément de l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus démunies. La fondation encourage les initiatives au plus près des territoires d'intervention des entreprises de Vinci et illustre la volonté du groupe d'être un partenaire, disons, durable des citoyens et des communautés pour lesquelles il conçoit, bâtit et gère, comme vous le savez, de nombreux ouvrages et infrastructures. La Fondation Vinci a soutenu l'association Singa et c'est à ce titre que nous avons invité donc Guillaume Capelle. Bonjour Guillaume, que je remercie d'avoir bien voulu donc nous rejoindre aujourd'hui. Guillaume a cofondé Singa. C'est une Singa, tu vas nous en dire beaucoup plus, mais enfin c'est une plateforme qui est née d'un mouvement citoyen, une plateforme d'innovation citoyenne, on peut dire aujourd'hui, qui crée des opportunités d'engagement et de collaboration entre d'une part des personnes réfugiées et d'autre part leur société d'accueil pour construire, disons, des ponts entre les individus, pour produire du vivre ensemble, de l'enrichissement ou de la diversité culturelle. Et c'est un point important de la création d'emplois, tout en participant à une démarche de sensibilisation pour déconstruire les préjugés sur l'asile. Voilà, donc avant de donner la parole pendant environ une demi-heure, c'est le format traditionnel ici, à Guillaume, je vous rappelle le fonctionnement de ces petits événements. Donc Guillaume parle effectivement une demi-heure. Je vous invite toutes et tous à poser vos questions sur le chat que je me chargerai de reposer pour vous. Je me ferai votre porte-parole, donc de les poser à Guillaume à la fin de son exposé. En attendant, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne rencontre. À toi, Guillaume. Merci beaucoup Mathieu et bonjour à tous. Merci aussi à Anne-Fleur de la Fondation Vinci qui m'a contacté initialement. Je vous vois pas du tout donc je sais pas quelles vont être les réactions des uns et des autres donc écrivez-moi aussi à travers le chat on aura l'occasion de parler à la fin. Quand j'ai reçu en fait l'invitation, c'était amusant parce que j'étais en train de lire ça, qui est la biographie de Léonard de Vinci. Et je vous jure, c'est ce que j'adore, enfin c'est ce que j'ai pris avec moi comme bouquin pendant le confinement. J'étais en particulier en fait sur un chapitre dont je vais vous reparler. Qui est le chapitre où Léonard se retrouve à Milan en 1484-1485 et où la ville et plus largement une partie de l'Italie qu'on connaît aujourd'hui est frappée par la peste, donc une épidémie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la gestion par la population à cette époque-là, mais aussi le travail que Léonard va initier. Et voilà, je vais vous en reparler un peu plus tard. Je vais vous partager un document. Je pense que ça va être le plus simple pour qu'on.
on parle de tout ça. Voilà, donc ça, c'est ce dont je vous parlais. En fait, en 1484, oups, on revient en arrière, 1484-1485, Léonard de Vinci est à Milan. La ville est frappée en fait de plein fouet par une épidémie de peste. Et il imagine à ce moment-là en fait une ville idéale, une ville qui serait capable de résister à des épidémies. Il dessine des écluses, des vannes, des canaux, tout un tas de solutions qui permettent en fait d'évacuer plus facilement les déchets, qui permettent d'évacuer les excréments, etc. des villes. Il construit aussi cette ville sur plusieurs niveaux avec des jeux d'escalier qui permettent, comme il dit, en fait, d'assurer une meilleure circulation des êtres humains d'abord, mais aussi des biens et ce qu'il appelle les humeurs. Et donc, on voit qu'en fait, il a travaillé sur une vraie ergonomie de la ville à cette époque-là. Tout ça, c'est dans ses carnets. Mais rien de tous ses dessins, de tout ce qu'il a pensé, en fait, ne verra le jour. Ça restera dans des carnets et ça mettra plusieurs décennies pour que des projets qu'il avait pensés puissent voir le jour. Et là, il y a plusieurs raisons, en fait, qui peuvent expliquer ça. Il y a des raisons qui peuvent être très personnelles. C'est peut-être qu'il a dessiné tout ça, mais qu'il n'a pas osé les présenter. Il y a peut-être le fait qu'il n'était pas introduit auprès des décideurs et que du coup il n'a pas pu en fait présenter les projets sur lesquels il avait travaillé. Il y a des raisons aussi techniques, sans doute des choses qui ont été dessinées qui n'étaient pas réalisables à l'époque. L'une des hypothèses les plus probables, c'est que soit il se soit censuré lui-même, réfréné, en se disant personne ne me prendra pour un architecte sérieux, parce qu'à cette époque-là, il est surtout connu pour être un peintre, et aussi le fait qu'il n'est pas encore introduit à la cour du mort, qui est le décideur à cette époque-là. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à ce que nous, on a créé il y a 8 ans, qui s'appelle Singa, S-I-N-G-A, qui est une organisation, en fait, qui voulait pas rater les Léonards de notre époque, pas rater les Marie Curie, pas rater les Carlos Arvelaes, que vous connaissez pas encore, mais maintenant je vous en ai parlé, donc vous découvrirez ce qu'il fait. On s'est rendu compte que à chaque époque, des gens étaient porteurs d'idées qui pouvaient bénéficier à l'humanité, qui pouvaient bénéficier à l'économie. Mais que souvent ils étaient empêchés par eux-mêmes ou par les structures sociales, culturelles, économiques autour d'eux. On a essayé nous d'identifier tous les obstacles possibles et imaginables aujourd'hui pour des gens qui ont des idées. Et on est allé en particulier se poser la question de savoir comment les personnes qui aujourd'hui ont le plus d'obstacles pour réaliser leurs projets, arrivent à les surmonter, arrivent à se réinventer, arrivent à quand même créer. Rapidement, le sujet en fait des réfugiés a été un sujet crucial pour nous, et c'est même l'idée de départ, parce qu'on s'est rendu compte que c'était les personnes qui devaient surmonter le plus grand nombre d'obstacles lorsqu'elles réalisaient des choses. Stinga a donc créé deux solutions concrètes pour révéler, on va dire, les talents à notre époque. La première, c'est une plateforme qui permet à des millions de personnes de se rencontrer, d'apprendre les unes des autres en profitant de la migration. On se sert de la migration comme une excuse pour aller à la rencontre les uns des autres, pour explorer le monde. On le fait à 2, à 10, à 100, parfois même à 1000. L'objectif, ça va être d'apprendre, de se mettre dans une position d'humilité, de se mettre dans une position de curiosité et d'engager une relation pair à pair où il n'y a pas nécessairement de bénéficiaires et de bénévoles, il n'y a pas nécessairement de professionnels et de victimes, mais plutôt
deux personnes qui ont des vécus différents et qui peuvent s'apprendre énormément de choses. Et ça, cette plateforme, en fait, elle a permis de créer des milliers, en fait, de rencontres, d'événements autour de ce que nous, on appelle les armes de connexion massive. Donc, on utilise la bouffe, la danse, le sport, on utilise l'entrepreneuriat, on utilise la tech, on utilise tout ce que vous voulez qui rassemble pour créer des expériences et des ponts, comme disait Mathieu tout à l'heure. Moi, je vois les métiers de Vinci et de Singa assez similaires, mis à part que Vinci fait des ponts matériels. Nous, on est plutôt dans l'immatériel. Ils sont plus difficiles à identifier parfois, mais le métier elle-même, c'est de rejoindre des villes, des gens, de permettre de rassembler. Et du coup, on a identifié, en fait, à travers toutes ces rencontres qu'on fait aujourd'hui dans 10 pays, 8 pays européens et 2 pays en Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, des centaines de projets. Et c'est surtout de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que vu la situation qu'on vit, vu les changements qui sont déjà en train de s'opérer, mais aussi les changements qu'on va devoir opérer dans les mois qui viennent, on a besoin de bonnes pratiques, on a besoin d'exemples concrets, de choses que des personnes ont transformées dans des périodes de crise, de changement, de transformation. Et je voulais vous donner voilà, 6 exemples de manières de transformer les choses. Et ça m'amène à la deuxième chose qu'on fait, donc cette plateforme, et la deuxième, c'est un réseau d'incubateurs. Aujourd'hui, on a 8 incubateurs dans 5 pays, et un accélérateur qui accompagne une centaine d'entreprises par an, qui sont des entreprises créées par des réfugiés, par des migrants, mais aussi par des personnes locales, mais qui ont en commun de faire fusionner les compétences de plusieurs pays, de réunir les personnes, voilà. En fait, remplir les trous aujourd'hui béants qu'on a dans notre société et de faire tout un tas de produits que moi j'appelle made in inclusion. Donc, ils sont pas réalisés dans un pays spécifique, mais ils sont réalisés à travers nos rencontres. Et je vais vous donner donc hop, on a depuis le du coup on a démarré très concrètement on a fait de l'entrepreneuriat, de l'innovation depuis le début. Mais les incubateurs, eux, fonctionnent réellement depuis 4 ans. Et en 4 ans, on a permis à 317 entreprises et associations de démarrer et de lancer des innovations. Et je vais vous montrer un peu lesquelles. Les innovations les plus... je dirais attendu dans le domaine dans lequel on a commencé, c'est celle autour de l'intégration. C'est ce qu'on appelle en fait accueillir les personnes qui arrivent dans un écosystème. C'est éventuellement les accueillir à l'université, parce que le fonctionnement d'une université en France est différent de celui d'une université en Afghanistan. Et donc on a accompagné des entreprises, des associations comme UNIR, qui permettent en fait à des étudiants étrangers de trouver toutes les informations qu'ils souhaitent sur leur inscription à l'université en France. Il y a aussi l'accueil au sein des entreprises, parce que le fonctionnement des marchés, le fonctionnement des entreprises, ressources humaines, etc., peut être différent aussi entre la Chine et la France, l'Iran et la France, etc. Et donc, on a accompagné des entreprises aussi comme Codico, qui, elle, est un mécanisme de mentorat qui permet à un salarié d'entreprise d'accompagner une personne qui soit vient d'être recrutée dans l'entreprise, soit cherche du travail. Et c'est aussi accueillir au sein d'une société, donc plus largement, accueillir dans une ville, accueillir dans un pays. Et là, on a pu accompagner une entreprise comme Café Bienvenue, qui est un café qui a été entièrement conçu pour les gens qui s'installent dans une nouvelle ville avec tout un tas d'informations dont ils peuvent avoir besoin quand ils arrivent quelque part. Hop.
Les deuxièmes types d'innovations qu'on a vu émerger, c'est des innovations frugales. Et là, les innovations frugales, c'est faire plus avec moins. C'est souvent quand on se retrouve bloqué dans une situation où on n'a plus de moyens financiers ou de moyens matériels, et donc du coup, on est obligé d'inventer un autre système. C'est ce qui les exemples les plus emblématiques que je peux vous donner, c'est Comme à la maison, qui est une plateforme de logement qui permet à des particuliers en France d'accueillir des réfugiés statutaires chez eux pendant des périodes de 1 an, qui a eu en fait qui répondait initialement à un besoin qui était que il y avait plus de place dans les centres d'hébergement. Beaucoup de gens qui étaient à la rue, pas de place dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc, fallait trouver en fait d'autres espaces dans lesquels les gens pouvaient être accueillis. Et on s'est dit, mais il y a des millions de particuliers qui ont de l'espace. Aujourd'hui, en France, on vit à 3 en moyenne dans 93 mètres carrés. Mais il y a beaucoup, ça c'est la moyenne, mais il y a beaucoup de personnes qui ont leurs enfants qui sont partis faire des études, qui ont des maisons secondaires, qui ont tout un tas de choses, et qui ont la possibilité en fait d'accueillir aujourd'hui. Et on a donc mis en place cette plateforme avec la formation, la médiation si jamais il y avait des soucis, en fait tout le process d'accompagnement des accueillants et des accueillis. Et ça a permis en fait, en l'espace de 3 ans de fonctionnement, d'abord d'avoir un impact social important puisque 1 000 personnes ont été accueillies dans le dispositif. Donc, ont pu se servir de ce dispositif comme d'un tremplin. 42% d'entre elles ont trouvé du boulot. Plus de 27% sont allées à l'université et même certaines ont créé des entreprises. En comparaison avec ce qui se passe dans traditionnellement quand on est en centre d'hébergement d'urgence, c'est des chiffres qui sont énormes et on voit en fait la puissance du réseau des particuliers qui accueillent et qui permettent aux gens de trouver du travail. Et surtout, c'est une économie sociale et solidaire parce que elle a permis de faire 3,9 millions d'euros d'économies aux collectivités territoriales. Ça veut dire qu'on économise grâce à ce système 9 euros par jour et par personne. Et ça, c'est uniquement pour 1 000 personnes, sachant qu'on a des besoins qui sont autour de 50 000 personnes sur une année en termes de logement. Donc, intégration, frugalité. Les autres innovations qu'on a pu observer assez rapidement, et en particulier au lancement en fait de Singa, ça a été des innovations sur les métiers en tension. Beaucoup de sociétés ont aujourd'hui des énormes besoins dans leurs économies, à l'intérieur de leurs entreprises. Il leur manque des salariés, soit parce que il n'y a pas assez de personnes formées dans ces domaines localement, soit parce que il y a des personnes formées, mais elles n'ont pas envie de prendre ces métiers. Et donc, souvent, il y a aussi de la place, en fait, pour des nouveaux arrivants sur des métiers en tension. Deux exemples emblématiques qui sont assez similaires et dans lesquels on a été impliqués. Alors, l'un en création, puisque RefuGeek, c'est un projet qu'on a monté avec Simplon et qui est une formation de code destinée à des personnes réfugiées. Et Connexio, qu'on a pu accompagner dans l'incubateur, qui est également une école de code, qui permet en fait à des jeunes des quartiers populaires, des demandeurs d'asile et réfugiés, de devenir développeurs, donc aussi de se former sur des métiers qui sont aujourd'hui en tension, mais qui sont prometteurs, ou du moins l'étaient à l'époque où on lançait. Aujourd'hui, on se pose aussi beaucoup de questions sur la transformation de la tech à l'avenir et par rapport au changement climatique. Et c'est intéressant de voir que à la fois Connexio et Simplon ont commencé à lancer des formations low tech et green tech. Le quatrième type d'innovation, ça va être des innovations complémentaires. Et ça, c'est les innovations aussi qu'on connaît le plus généralement. C'est en fait repérer un manque
dans le marché. Donc, par exemple, Meet My Mama, dans le domaine culinaire, a créé en fait un système de traiteurs avec des femmes de partout dans le monde qui proposent de la cuisine. Donc, vous allez sur leur site internet, vous pouvez commander pakistanais, sri lankais, tout type de cuisine. Et donc, c'est une complémentarité avec le local puisque ce sont des cuisines nouvelles qui sont offertes. L'autre type d'innovation de complémentarité, c'est Nata Kalam, qui est parti du principe que si des gens arrivaient dans un pays, c'était pas nécessairement à eux de toujours apprendre la langue locale, c'était aussi une opportunité pour les locaux d'apprendre les langues que parlent les gens. Donc, apprendre l'arabe, le farsi, apprendre pourquoi pas aussi le swahili, le lingala, en fait, s'ouvrir au monde à travers la linguistique. Et donc ça, on a pu observer, nous, des innovations de complémentarité dans plein de domaines différents. Et ces deux entreprises-là sont aussi celles qui ont, je dirais, le plus décollé et eu le plus d'impact dans ces domaines. Et alors là, donc ça, c'est les quatre choses que généralement les gens connaissent en termes d'innovation qui sont liées à la migration. Et moi, ce que j'aime, c'est les deux que je vais vous montrer maintenant. Parce que toutes les premières, en fait, quelque part, elles existaient déjà depuis des décennies. Et nous, on les a vues, on a vu que ça a été un peu toutes les premières entreprises, les premières associations qu'on a accompagnées ont créé des choses dans ces domaines-là. Et elles ont créé des choses qui sont superbes et qui sont nécessaires. Mais au fil des années, en fait, on a vu que en créant un écosystème, on a pu faire émerger des nouveaux types d'innovation, et en particulier les deux que je vais vous montrer. Et ça, c'est que quand un écosystème est mûr qu'on peut faire émerger ce type de choses, que quand il y a déjà une centaine, voire 200 organisations qui sont mises en place pour ça. Et donc, c'est là qu'on commence à vraiment être capable de révéler les léonards de notre époque. C'est l'innovation de fusion. Donc, c'est vraiment faire aller chercher en fait la valeur à la croisée de plusieurs industries, de plusieurs cultures, des compétences apportées par des ingénieurs syriens et des ingénieurs français. Et deux exemples un peu intéressants qu'on a pu accompagner, c'est Getty News, qui est un média qui est en fait entièrement écrit, tous les articles, par des binômes réfugiés et français. Donc, ce sont des regards croisés sur l'actualité qui, de par la manière dont sont conçus les articles, en fait, apportent nécessairement quelque chose de nouveau sur l'actualité, parce que ce qui paraît essentiel en France peut être tout à fait différent quand on a un œil de quelqu'un qui a grandi en République démocratique du Congo. Et donc, du coup, on a pu aussi voir émerger en fait ce média qui a apporté un regard totalement nouveau sur l'actualité. Pizza Bobo. Alors ça, c'est aussi un mélange intéressant de culture entrepreneuriale et afghane française, voire italienne, puisqu'il y a la pizza. Pizzeria qui n'est pas un endroit où vous allez pour commander les pizzas, mais c'est un pizzeria qui se déplace chez vous. Donc, Pizza Bobo vient avec son four, installe, la pizza chez vous pour une soirée, pour une fête, et présente la recette. Donc, vous explique comment faire une pizza bio avec des ingrédients en circuit court dans votre ville, et donc du coup vous apprend en fait à faire une recette et vous passez aussi un très bon moment puisque les pizzaiolos sont des storytellers assez exceptionnels. Les derniers types d'innovation qu'on a pu remarquer, donc c'est pas des choses en fait conçu pour aider, pas des choses conçues pour se connecter, etc.
ou faire fusionner, mais plutôt totalement des choses nouvelles. Et qui n'auraient pu, en fait, c'est des innovations vraiment de rupture, et qui ont été uniquement possibles grâce à un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que si les personnes n'avaient pas vécu une situation d'exil ou de migration, ou si elles n'avaient pas été à la rencontre, un Français qui va à la rencontre, comment dire, de personnes iraniennes, sri-lankaises, etc., ils n'auraient jamais pensé à ça. Et donc les trois exemples que j'ai pris pour vous, peut-être vous en. Le premier, c'est Iron Man Company. Ça s'appelle Motorskin. Ça a démarré à Berlin. L'idée est née de faire en fait des exosquelettes pour des personnes qui avaient des blessures dans des zones de conflit. Et donc rapidement, le système qui a été conçu, qui est un système en fait de fluide qui permet aux gens de retrouver l'usage de leurs membres, des articulations, de marcher, de recourir normalement, est devenu d'une utilité sociale hyper importante aussi pour les personnes âgées en Allemagne en l'occurrence, puisque c'est là qu'ils ont démarré, et plus largement en fait sur des territoires comme dans toute l'Europe. Jaran Info, ça c'est une petite révolution en intelligence artificielle. C'est un système de traduction en fait quasi instantané des articles de presse locaux dans tous les pays Proche-Orient, Moyen-Orient, qui permet en fait d'avoir des infos quasiment en direct sur les évolutions locales et des informations ultra stratégiques pour des entreprises qui travailleraient sur place. Et donc voilà. Kaukab, hyper intéressant aussi, lancé par un entrepreneur syrien, c'est une sorte de Uber du recyclage des métaux lourds. Aujourd'hui, beaucoup des entreprises, des grandes entreprises ont l'habitude de recycler les métaux lourds, mais pas mal des PME, en fait, sont assez encombrées de métaux lourds, savent pas forcément comment les gérer. Et donc du coup, il a lancé en fait un système de récupération de ces métaux lourds. Avec tout un tas de drivers qui permet en fait de faire le middleman entre les PME qui n'ont pas le temps de gérer ça et les organismes de recyclage à grande échelle. Voilà. Voilà. Je vais vous. Il ne me reste pas grand-chose, mais je voulais simplement vous dire. Que ces 317 en fait entreprises, associations, qui ont transformé des industries, elles nous ont permis petit à petit aussi de nous rapprocher d'organisations existantes qui avaient besoin de se transformer. Et en 2015, on a été contacté par Airbnb lorsqu'il y a eu dans les médias ce qu'on a appelé la crise des migrants. Parce que Airbnb en fait souhaitait mobiliser en gros sa communauté d'hôtes pour accueillir des personnes réfugiées dans le réseau. Et leur objectif était de lancer une plateforme qui s'appelle Open Homes. Donc, sauf qu'ils avaient pas mal de difficultés d'abord à mobiliser des familles d'accueil et encore plus de difficultés à trouver les personnes qui auraient besoin de logement. Donc, Joe Djebbia, qui est le cofondateur d'Airbnb, était venu nous voir dans un premier temps à Paris. On était allé les former derrière à San Francisco et ils sont revenus en fait à 15 sur Paris pour rencontrer toute notre équipe d'experts sur le logement. Pour voir en fait comment Open Homes pouvait, au-delà de la logique de impact driven, donc d'avoir de l'impact social, être plus customer driven, donc plus s'adresser et trouver son public au sein des communautés existantes d'Airbnb, mais aussi au sein d'organisations qu'ils n'étaient pas encore capables de toucher. Et ce qui a été le plus passionnant, alors aujourd'hui c'est un succès, Open Home, c'est plus de 30 000 personnes qui ont été accueillies, mais surtout ce qui est passionnant, c'est que Open Homes en fait a permis de développer une fonctionnalité core business de Airbnb qui est Airbnb Experience,
Airbnb Experience, c'est ces événements qui sont proposés à l'échelle locale aux personnes qui s'installent, enfin qui sont dans des logements Airbnb. Et ces expériences, en fait, parmi les meilleures expériences proposées localement, on retrouve un certain nombre de personnes réfugiées qui ont été accueillies à travers Open House et qui proposent du coup des expériences qui sortent vraiment de l'ordinaire, un nouveau regard sur l'architecture d'une ville, etc. Et donc, c'est intéressant de voir qu'une démarche d'impact social derrière va avoir une répercussion économique pour l'organisation et surtout qui potentiellement en fait crée un système de résilience quand on pense à l'évolution du cœur de métier de cette organisation qui est le tourisme et qui aujourd'hui est quand même fortement menacé par les changements climatiques. On se pose aussi un peu la question de savoir comment enfin, le tourisme va durer vu les efforts qu'on doit faire. Et donc, du coup, c'est possible aussi que l'évolution, en fait, la création de Open Home soit finalement un des produits phares de l'avenir de cette entreprise. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille, il faut pas qu'on passe à côté des Léonards de notre époque. Parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà en train de faire des dessins, qui vont pas oser nous les présenter ou qu'on ne connaît pas encore et à côté desquels il faut surtout pas qu'on passe. Et en particulier, il y a déjà tout un tas de personnes dans nos sociétés qui ont déjà vécu des recommencements, qui ont déjà vécu des périodes de transition, de résilience forte et de réinvention. Et nous, on essaie d'apporter en fait des solutions concrètes pour pas pour aller à leur rencontre, éventuellement construire avec eux les solutions de demain et réfléchir surtout aux plus grands défis auxquels on est confronté actuellement et du coup aux endroits qui vont nécessiter le plus d'intelligence. Et je voulais vous parler en fait d'une situation en particulier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Moria. Alors, la première fois qu'on entend ça, on pense au Seigneur des Anneaux si on a vu le film. Mais c'est un camp de réfugiés qui est sur l'île de Lesbos, de Lesbos en Grèce, dans lequel il y a 18 000 personnes actuellement. Qui sont enfermés aux frontières, enfin bloqués finalement aux frontières aussi de l'Europe, sans eau potable, sans véritable protection sanitaire. Il y a dedans moins de 10 soignants, médecins et infirmiers, pour 18 000 personnes dont la moitié sont des enfants. Et se pose, enfin pour moi, se pose la question de savoir comment on apporte sur un défi comme celui-ci des solutions, en particulier quand on a des possibilités. En Europe, beaucoup de logements actuellement et beaucoup d'hôtels, je pense particulièrement aux hôtels, sont vacants. Et donc, puisque le tourisme est complètement arrêté, donc ce serait intéressant aussi de se poser, concevoir des solutions. Pour une situation comme celle-là. Et hop, voilà. Je voulais vous terminer sur deux choses, deux propositions et deux invitations pour aller un peu plus loin dans tout ce que je vous raconte, parce que c'est bien d'expliquer, mais c'est mieux d'expérimenter. Singa, pendant le confinement, a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Allo Mondo, qui permet en fait de téléphoner à quelqu'un d'un autre pays pour refaire le monde. L'idée est de connecter, y compris des gens qui sont dans le camp de Moria, des gens qui sont actuellement dans des centres d'hébergement d'urgence
situation parfois d'isolement compliquée. Pour réfléchir ensemble à c'est quoi la suite, comment on construit les voilà, comment on bâtit un monde en commun. L'objectif c'est pas d'avoir raison actuellement, je crois. L'objectif c'est d'arriver à faire les choses ensemble. Et pour ça, il faut aussi faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. L'une des choses les plus simples, c'est d'aller à la rencontre des autres. Donc, je vous propose d'aller jeter un œil sur allomondo.org, qui est une voilà, manière toute simple de faire un premier pas de côté. Et évidemment, je vous invite à aller sur singa.io, où vous retrouverez des dizaines d'événements chaque semaine. Qui permettent aussi d'aller explorer le monde malgré le fait qu'on soit tous bloqués derrière nos écrans. Mais ça ne nous empêche pas de nous rencontrer. Voilà. Merci, merci. Guillaume. Merci, je t'invite à nous rejoindre à l'écran. Hop. À l'instant, voilà. Et merci, merci de ta présentation. Je vous ai tous invités donc à poser quelques questions si vous le souhaitez, en rebond à l'intervention de Guillaume et la présentation justement de cette myriade d'initiatives dont je suis sûr que vous aviez identifié ou vous avez eu l'occasion d'interagir avec certaines. Pour ma part, peut-être une première question qui intervient en rebond finalement de ta présentation de Open Homes. Suggère que les publics que vous adressez et ces publics de réfugiés en particulier détiennent peut-être certaines des clés qui nous permettront de réfléchir ensemble et de progresser en réponse à la crise climatique. Pour étendre et pour nous reconnecter avec un sujet d'actualité très intense, est-ce que vous intervenez sur en particulier le sujet de la crise sanitaire? Et est-ce que il te semble que d'une part peut-être quels besoins spécifiques cette crise sanitaire te semble-t-elle révéler chez les réfugiés et chez les publics avec lesquels vous travaillez? Et peut-être question bis, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à relever certains, justement, à la manière donc de Open Homes qui adresse la crise climatique, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à relever un certain nombre de défis sanitaires, sociaux, économiques, évidemment, que rencontre aujourd'hui notre pays. Toujours dans cette idée de faire des réfugiés et de l'accueil une chance plutôt qu'une contrainte supplémentaire perçue. L'une des premières choses auxquelles je pense, c'est que déjà, on a beaucoup de médecins, d'infirmiers, de soignants qui sont étrangers aujourd'hui, qui n'ont pas la possibilité d'exercer en France. Et quand on entend qu'on manque aussi de personnel, en fait, on peut aussi se poser la question tout simplement de ça, pourquoi aujourd'hui, on se ferme à la possibilité d'avoir un peu d'aide dans ce domaine-là. On a vu que beaucoup de pays avaient permis, notamment au Portugal, aux soignants étrangers en fait d'exercer pendant cette période. Et puis j'espère que ça, du coup, ça leur permettra de continuer à exercer après cette période. Donc ça, c'est une des premières choses en fait à laquelle je pense et sur lequel nous on a fait un peu de plaidoyer. On n'a pas en fait une activité directe sur les aspects sanitaires Singa, et de toute façon c'est pas vraiment notre vocation, c'est plutôt d'accompagner éventuellement des gens qui seraient experts dans ces domaines-là. Par contre, Allomondo a clairement un impact sur ça, parce que en fait la raison pour laquelle on a lancé ça, c'est qu'au départ on est contacté par les centres d'hébergement d'urgence en France qui gère plusieurs dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui ont une visibilité scandaleuse sur l'alimentation qu'ils vont pouvoir leur fournir. Ils ont à peine quelques jours de visibilité pour des dizaines de milliers de personnes et qui nous disent du coup on n'a absolument pas le temps de savoir si les gens vont bien. Et donc du coup l'une des nous on peut on n'est pas psychologue, c'est-à-dire qu'on va pas mobiliser non plus avoir des psychologues, mais l'une des manières de créer du lien et de s'assurer que les gens ne sont pas complètement seuls, c'est aussi de proposer des conversations sur l'avenir.
Parce que cette conversation, bah, déjà, relie les gens, mais en plus de ça, elle permet d'avoir des projets, des perspectives. Elle permet, du coup, de recréer de l'espoir. Et donc, Allomondo, c'est aussi ça l'objectif. C'est de ne pas laisser derrière nous, ou de ne pas laisser tout seul, les personnes les plus vulnérables, dans nos sociétés. Et parfois, les personnes les plus vulnérables, ce n'est pas forcément les personnes enfermées justement dans un centre d'hébergement d'urgence. Ça peut être aussi très bien l'un d'entre nous qui aujourd'hui se sent pas bien et qui a besoin de, voilà, de discuter aussi de ça. Oui, l'autre question, si je peux rebondir là-dessus, c'est en fait, qui a les solutions d'aujourd'hui? Moi, je crois que il faut. Alors, évidemment, on peut s'appuyer sur les histoires de personnes qui ont déjà vécu des confinements, qui ont déjà vécu des crises, qui ont déjà réussi à se réinventer. Et ça, c'est ultra précieux. Nous, on a cette chance. Moi, j'ai un peu accusé le coup, j'avoue, au début du confinement. Et l'une des personnes qui m'a remobilisé, c'est Carlos, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un gars qui est parti de Colombie, qui en arrivant en France a passé 6 mois dans la rue, finalement a réussi à petit à petit reconstruire aussi des projets et qui a lancé deux entreprises en France. Une première qui est une entreprise d'apiculture et de permaculture. Donc il a remis les ruches et les potagers au cœur des maisons des gens. Il était déjà, et ça fait plus de 2 ans qu'il est là-dessus, sur des logiques d'autonomie, etc., des particuliers, et aussi de protection de l'environnement en général, puisque les abeilles, c'est en fait l'un des animaux les plus importants aussi pour l'avenir. Aujourd'hui, il a aussi lancé donc une nouvelle marque de café qui s'appelle Populaire et qui est aussi intéressant parce que là, c'est des logiques de transparence. Où il permet en fait de suivre jusqu'au producteur en fait comment a été réalisé le café. Donc oui, il faut qu'on fasse sortir ces histoires-là. Elles vont nous inspirer. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif aux signaux faibles. L'une des choses qui m'inquiète beaucoup en ce moment, c'est toutes les conférences des gens qui vous disent on le savait ou c'est nous qui avions raison ou en fait, enfin, c'est un peu ça qu'on entend derrière. Je pense qu'il faut tous qu'on se remette en question aujourd'hui. Les solutions, elles vont venir de nos échanges et pas de quelqu'un qui savait déjà, en fait. Voilà. On essaie de créer ces plateformes-là d'échange. Je t'entends pas, Mathieu. Question qui a été posée par Tirmont qui demande, qui déjà salue ces belles initiatives et ces aventures humaines, et qui demande d'où viennent finalement, quels sont les pays d'origine de la plupart des réfugiés avec lesquels vous interagissez, et puis quelle est la démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont vocation à retourner dans leur pays d'origine lorsque bien évidemment ce sera possible pour transmettre leurs acquis, ou est-ce qu'ils sont là pour eh bien s'installer et nous aider finalement à aborder justement les mutations en cours dans notre monde. Et enfin, sur la durée, quelle sorte de réussite peut-on citer, j'irais à l'échelle individuelle ou sociale? Alors la première question c'est quel type de nationalité on a plus de 90 nationalités aujourd'hui rien qu'en France hein. Donc là ce que j'ai les chiffres français en tête mais donc dans les 10 pays je pense qu'on est à plusieurs centaines de nationalités au sein du réseau. Il n'y a pas de spécialement de majorité de nationalités qui se dégage en fait. Par exemple, en France, nous, on a beaucoup entendu les médias nous demander des réfugiés syriens, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il n'y avait pas que des réfugiés syriens parmi les réfugiés en France, bien au contraire. Ça dépend vraiment en fait des territoires, ça dépend des villes, ça dépend des histoires, souvent des États aussi entre eux, parce que pas mal de souvent la
La migration se fait, on dit, par grappe de raisin. Les gens, en fait, viennent pas par hasard totalement dans un pays. Ils viennent parce que ils ont un oncle, ils viennent parce qu'ils ont un pote, ils viennent parce qu'on leur a parlé de ce pays. Et si on leur a parlé de ce pays, c'est souvent qu'il y a une histoire commune entre les deux territoires. Je pense qu'on, nous, par exemple, sur les, on utilise quand même un certain nombre de langues pour traduire, en fait, au sein de la communauté. On va beaucoup utiliser l'arabe, on va beaucoup utiliser le farsi, le persan plutôt. Le farsi, c'est en anglais. On va beaucoup utiliser aussi quand même le dari, même si c'est très proche, le swahili, l'ingala. On a du russe aussi. Voilà, c'est des langues qui vont être pas mal utilisées pour communiquer avec les communautés qu'on a dans la région parisienne au moins. Les destins des gens, en fait, c'est quasiment impossible de tracer de dire les réfugiés veulent rentrer chez eux ou je sais pas quoi, parce que c'est des décisions qui sont extrêmement intimes, qui dépendent des trajectoires de chacun. Certains n'ont qu'une idée en tête, c'est de repartir. Il y en a certains qui ont trouvé l'amour, ont réussi à bâtir une famille, ont trouvé un boulot qui les intéresse, ont peuvent de toute manière pas rentrer parce que ils ont une orientation sexuelle, par exemple, qui est toujours condamnée à mort dans leur pays ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment difficile, en fait, de dire 20% veulent rentrer, 30%, etc. Parce que en plus, c'est pas des données que nous on collecte, parce que, pour être tout à fait franc, elles nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt des données prospectives. Sur qu'est-ce que les gens ont envie d'apporter aux sociétés et qu'est-ce qu'ils ont envie de construire. Et donc là, on a, nous, quand même, plein, plein de données plus intéressantes. Ce qu'on se rend compte, c'est que aujourd'hui, en fait, beaucoup des personnes réfugiées, migrantes, etc., ne nous demandent pas d'aide. C'est-à-dire, elles ne demandent pas nécessairement de l'accompagnement sur logement, etc. En fait, elles demandent plutôt qu'on les autorise à travailler ou qu'on lève un certain nombre d'obstacles, en fait. Donc, c'est plutôt de l'espace qui est demandé plutôt que de l'aide. Et ça, c'est aussi une vraie révélation. Peut-être un mot encore, une autre question. Enfin, au fond, vous intervenez, et tu l'as dit au début, souvent en appui ou en support de ce que les pouvoirs publics, on parlait de l'arrivée à l'université, de l'accueil à l'université par exemple, ou encore un certain nombre d'entreprises, et on parlait de la dimension RH, ne savent pas faire au moment justement d'intégrer ces composante, disons, de ce qui constitue notre corps social. Est-ce que ce rôle-là, tu le vois comme un rôle durable, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'acteurs comme Singa et les projets que vous portez pour pouvoir justement faire cette médiation entre ces grandes organisations et ces publics-là, ou est-ce que vous êtes là finalement comme passeur et votre rôle est transitoire en direction et aurait tendance à faire intégrer des compétences et des savoir-faire qui auraient vocation à s'installer dans les entreprises ou les institutions? J'adore cette question. En fait, moi, j'ai demandé à ce qu'on ait un plan de disparition de Singa. En fait, je veux qu'on devienne une culture. Je veux qu'on devienne une culture dans les entreprises, une culture sociale, dans les sociétés. Je pense pas qu'on a vocation à devenir indispensable. Au contraire, je pense qu'on a vraiment vocation à transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on sait faire à d'autres. On pourra pas y arriver tout seul. Et si on est toujours l'organisation vers laquelle les gens se tournent à chaque fois qu'il faut faire de l'opérationnel, on n'y arrivera pas. Parce que ça demanderait des moyens colossaux. Et donc, du coup, il faut faire de l'open source. À chaque fois qu'on apprend un truc, si on a une recette de pain au chocolat, on se la garde pas pour notre boulangerie. En fait, on la laisse, on la file, on la fout en ligne, etc. Alors, sur l'exemple que tu donnais de unir sur l'accompagnement dans les universités,
Moi, je pense qu'aujourd'hui, cet accompagnement est nécessaire seulement parce que les procédures universitaires sont scandaleuses, quoi. On ne devrait pas avoir autant de difficultés à s'inscrire dans une université, en fait. Et donc, du coup, j'espère vraiment que UNIR, et je leur souhaite, disparaisse. Parce que ça voudrait dire qu'on a enfin créé des universités dans lesquelles tous les talents peuvent en fait être accueillis. Et donc ouais, enfin voilà. Moi c'est, je suis vraiment sur une logique de disparition. Alors par contre, juste une précision. Les choses qu'on fait, par exemple sur la plateforme Singa, les rencontres ne pourront jamais être réalisées par un État. C'est-à-dire que devenir pote, se marrer ensemble, tu as besoin de le vivre avec des citoyens et enfin en pair à pair. Mais c'est pas possible avec un État, quoi. Tu vas pas te marrer avec une institution, en fait. C'est pas son rôle. Donc, y a plein de choses quand même qui doivent rester dans le cadre de la société civile. Et puis peut-être une dernière question qui a été posée par Fawaz qui demande, qui est une question enfin, qui dit bien aussi l'intérêt que suscite ta présentation auprès du public de ce 30 minutes pour demain. Quel besoin de bénévolat? Est-ce que vous avez des besoins de bénévolat pour l'accompagnement des entreprises et des startups? Puis de manière plus générale, comment est-ce qu'on peut s'engager à vos côtés? Ben, aller sur c'est ces deux choses que je vous ai dont je vous ai parlé. Il y en a Allo Mondo, donc ça c'est ce qu'on vient de lancer, c'est un coup de fil, mais ça va vous permettre de faire l'expérience de ce que je vous raconte, et ça voilà, ça change tout. Et la deuxième c'est d'aller directement en fait sur Singa, de vous inscrire. Et alors nous on cherche pas de bénévoles chez Singa nécessairement, on cherche plutôt des participants, on cherche des gens qui vont organiser, des gens qui vont créer. Voilà, ça va être c'est une démarche un tout petit peu différente, mais il y a tout un tas de choses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est des choses que vous aimez. C'est-à-dire sur Singa, là, en ce moment, vous avez, je crois, cette semaine, une dizaine d'événements. Il y a des gens qui vont préparer des crêpes ensemble, il y a des gens qui vont faire un blind test musical, il y a des gens qui vont, enfin, il y a tout un tas de trucs. Donc prenez les choses que vous aimez. Si vous trouvez pas les choses que vous aimez, créez-les vous-même. Ça réunit les gens. Et moi, la logique chez Singa, c'est de faire ce qu'on aime avec des personnes nouvelles, mais pas voilà, de faire des choses éventuellement qu'on sait pas faire, etc. C'est voilà. Cherchez, voilà, posez-vous la question. Est-ce que je sais pas ce que vous aimez manger ou quoi, mais vous pouvez proposer ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui aimeront partager ce moment avec vous. Guillaume, je vous propose eh bien, de nous en tenir là pour aujourd'hui. Merci encore pour cette intervention riche et inspirante, bien évidemment. C'est la fonction même de ces rencontres. Deux indications dans l'immédiat. Vous pouvez, et Guillaume, si tu as la possibilité de rester encore peut-être 10 minutes, un quart d'heure avec nous, je vous invite à vous retrouver sous l'onglet Networking qui se trouve dans la partie gauche de votre écran. Vous pourrez avoir des échanges de pair à pair, de personne à personne. Alors, je vous préviens, ces échanges sont très courts. C'est l'échange de 3 minutes. C'est vraiment du speed dating et qui vous permettra justement donc peut-être de prolonger un peu cet échange avec Guillaume, mais aussi entre vous autres, donc tous membres de cette audience. Enfin, ben, comme vous le savez et comme je vous le disais, donc ces rendez-vous sont quotidiens. Nous avons rendez-vous demain pour parler de mobilité du futur des mobilités, avec Fabien Laurent, qui est un chercheur à l'École des Ponts. Donc rendez-vous ici toujours demain. Et bien évidemment, je repasse dans un instant le lien vers l'ensemble du programme des prochaines rencontres que nous organisons ces prochains jours, tous les jours, donc à 14 h. Merci encore, Guillaume, et à très bientôt à tous. Merci beaucoup.